Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Monster Hunter World sur PS4. On va tout de suite continuer en faisant la quête principale cette fois-ci. Donc en prenant la mission Urgence Chasse au Poké Poké. Et on va aller au premier camp. Donc j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme parce qu'on va vous voir très très bien. Ah oui, on va aller chercher la nourriture pour chasser le Poké Poké. Alors... à la carte. Ok. Je vais prendre ça. Hein. Ça bosse dur. Bonne chance. Ça bosse dur. Et... on va juste aller voir si on peut améliorer quoi que ce soit ou craft peut-être. Tout va bien avec ton équipement? L'ancien je l'ai mais l'autre je ne sais pas encore ce que c'est. Le Yaku. La licence 54. Là, je fais des gens. Ok. D'accord, d'accord. On parle de stop héritage. Normalement le level max pour le moment c'est 5. On pense à ce stuff là. Pom pom le pêcheur. Oh. Ah non, désolé pas. Là, je suis. On a plus 4. Où est le Poké maintenant?
Ok. Plan en attendant qu'on puisse avoir des traces. Ça saute pas. Nice, c'est ça le mien. Minerai encore une fois. Et là, c'est... Voilà. Allez, on désosse tout ça. C'est bon, cette petite carcasse. Où est le pouké-pouké?
Poké Poké, où es-tu? Allez, on va. Il est chaud à trouver, hein, le Poké Poké. Et donc c'était le mien. Oh. Ça rate à l'os, je me casse. Poké Poké, où peux-tu être? Putain, le Rattalos aussi s'envole. Trois Rattalos déjà en début de bébé. Bon, je commence pas à couper, hein. Bien caché en tout cas.
Voilà, il en aurait 4 de plus. Alors à Talos, c'est pas pour tout de suite, mais bon, moi je l'aurais déjà vu, c'est ça. Okay. On va aider notre petit ami Pom-Pom-Pom le pêcheur. La carcasse. Ok. Où est celui-ci? Ah, il est là. Ok.
Allez, allez, on va te trouver, mon cher. T'inquiète pas qu'on va te trouver. Le seul truc avec Monster Hunter, c'était de la chasse, que de la chasse. Donc, faire un let's play dessus, c'est un peu chaud, mais bon. Tire le point de la mission. Et qui doit pas être loin. Ok. Oui, il doit pas être. Le plus toxique. Il est là. Allez, on suit la trace. Il est avec moi, où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'ils font tout là? Voilà. Où je le rejoins? Comment? Ah non, et je passe devant le Rathalos en plus. Dis pas qu'il se fait contre le Rathalos. Rathalos, c'est pas pour tout de suite. Hein. Allez, on y est presque. Bon, je vais l'attaquer sans lui, sinon on n'a pas fini. Hein.
Oh merde. Chanson de Poké Poké. De fuir. Ah merde. Allez. Plus encore, putain. Y'a un peu mort là. C'est pas possible autrement.
Putain, il est long, hein. Pas l'air d'avoir des gars dessus, ah, vraiment. Vraiment très peu. Allez, il va bientôt mourir. Bientôt bon, non? Voilà. Il écaille, carapace, plume. Voilà, ça c'est fait. Alors, Talos, c'est pas pour tout de suite. Comment on a qu'il est, j'ai déjà galéré sur Pokébouké là. Et voilà, mission accomplie. 40 minutes pour cette mission quand même, hein.
C'est sûr, c'est moi qui joue. Félicitations. Très bien. Ok. Bon, il est temps d'en apprendre plus sur le Zora Magdaros. Assure-toi de savoir ce que tu as à faire. On a ordre de protéger les érudits. On se retrouve au désert des termites. Ouais, ouais. Dans 2 secondes. Je vais regarder déjà ce que je peux craft. Si j'ai des antilles, ça veut rien dire. Ah là là, ça. Alors, je peux crafter quelque chose d'autre ou pas? Il y a l'équipement de Palico aussi. Je vais mettre un stuff en alliage. Il y a l'armure du Pokémoké. Pour l'instant, l'os me suffit. Il y a un double, il y a quelque chose de nouveau. Améliorer. Et là, des os de wyvern moyen. Ah. Non, de wyvern mal, pardon. Que je dis moyen. Ok. Ok, ok. Bon bah, go. Y'a pas de quête Bon bah go dans le désert des termites hein.
Ah, cette mission peut en s'arrêter là. J'aurais pas dû utiliser mon cours maintenant. Tant pis. C'est parti, départ. On va voir ce que ça va donner. Ok. Une chose est sûre, cet environnement n'a absolument rien à voir avec la forêt ancienne. Effectivement, le désert des termites est un mélange de marécages et de zones sèches. Cette région abrite donc tout naturellement un écosystème unique en son genre. Regardez cet insecte. On dirait une sorte de scarabée, non? La faune de cette région est coriace. Elle s'est parfaitement adaptée au climat sec qui règne ici. Même la flore a dû s'adapter pour survivre. Ces fruits, par exemple, leur coque épaisse conserve l'humidité. Attends, je fais qu'avancer, hein, y a pas grand chose à faire. Collecte fruits. Ces fruits-là. Ok. Oh, quel soulagement. Nous y voilà enfin. Pouvons-nous faire une pause maintenant? Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Un cactus. Elle a un cactus. De s'asseoir. T'inquiète, juste à côté. Écatez, je suis là. Regardez, c'est là que nous attend ce que nous cherchons. Mais il nous reste encore du chemin à parcourir. Bon,
On continue. Tout compte fait, la descente est peut-être pire que la montée. Encore des fruits. Vous avez entendu ça? Pas de panique, restons sur nos gardes. Tu veux bien aller voir ce que c'était? Oh, miséricorde! Une raciane! Nom d'un jagui! Une raciane! Vous savez tous ce que cela signifie. Dans ce genre de situation, il est... important de garder son calme. Et de prendre ses jambes d'un coup. Allez, vite, il ne faut pas rester planté là. Tu devrais pouvoir faire du bruit avec ta fronde pour détourner son attention. Maintenant, fuyez. Pas assez fort pour Horatian encore. Allez, allez, allez! Sauf qui peut! Ah mais, il vous a pas vu, hein. Ça sert à rien de courir comme ça, hein. T'es un gentil Horatian, il nous a pas attaqué. C'est parce qu'il ressemble à une wyvern, hein, qu'une... enfin, un dragon. C'est méchant. Oh. C'est vraiment pas passé loin. Qu'est-ce que tu racontes? L'enfer n'est rien face à une raciane en col... Bon, face à n'importe quelle raciane, en fait. Mais elle pourrait fournir des données précieuses à la commission. Tu ne pourrais pas nous obtenir un échantillon? Hein? Pour l'instant, je fouille. Hein. Vous ne pensez pas que le Zora Magdaros est encore plus énorme que ce que nous imaginions? Oui, sa taille dépasse indubitablement toutes les données qu'a pu consigner la guilde dans ses écrits. Je me demande combien d'années il faut à une telle créature pour atteindre une taille aussi imposante. Oh, regardez, des Apsyros. Des herbivores originaires de la région. Mais pourquoi se mettent-ils à courir? Ils ont l'air apeurés. Vous voyez, lorsque les Apsyros se sentent menacés, ils adoptent une posture défensive. Je ne sais pas ce qui rôde par ici, mais ça pourrait s'avérer dangereux pour nous aussi. Restons prudents. Enfin, j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. Regardez-moi ça! Magnifique! Il est tout bonnement énorme! Quel formidable spécimen! On y est presque! Du nerf! On se dirige surtout vers là où il y a le monstre. L'écofact est juste là! Bon travail, chasseur! Ouais, mais il est pas tout seul, je pense, hein. Quel genre de cadeau le Zora Magdaros nous a laissé? Pas trop envie de le savoir, bizarrement. Ouais, quelque chose sous la terre, hein.
vestige. Un autre vestige. Vite, allez. C'est l'heure de ce fight. Ah, il fallait que je le fasse, je pense. Ah, j'ai pas vu ça. Eh bien, super. Merde. Merde. Ah, je savais même pas que je pouvais utiliser le grappin pour remonter. Mais... dans le sol, c'est quoi ce bordel? Pour le chasser, non, c'est pas pour que je fasse. C'est ce que je vais faire, voilà. Et on y va! C'est pour tout! Pas de gratien.
dirige vers la racine. Petit. J'arrive à lui monter sur le dos. Voilà, comme ça. Allez. Reviens ici. Ça permet de découvrir la map. Nice. Ouf. Cactus ici.
Allez, allez. Sauf si je fais ça. Cette capsule avec ta fronde. Attaque là où elle s'accroche pour infliger des dégâts contondants. Ils sont chauds à chasser, hein.
Voilà. Oh, ne t'inquiète pas, j'ai trouvé un endroit où les érudits sont à l'abri. Je crois que je vais aller les chercher. On se retrouve au camp. Dis-moi, tu fais partie de la 5e flotte? Ainsi, une nouvelle traversée a commencé. Les années passent si vite que je ne peux les compter. Arnel ? Je suis chasseur, moi aussi. De la première flotte. Accepterais-tu de me raconter ton histoire ? Dans ce cas, allons autre part. Alors, mes vieux amis vont bien, tant mieux. Et il semble que les érudits soient toujours aussi incorrigibles. Permets-moi de te demander, traques-tu ce monstre qui a laissé choir cette roche volcanique? Moi aussi. En suivant sa piste, nous arriverons peut-être à découvrir la vérité. Bien, ce fut un plaisir. Mon camp se trouve non loin d'ici. Vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Toi et tes amis. Au fait, dis au commandant de ne pas s'inquiéter. Je vais bien. Une force me pousse à aller de l'avant et je compte bien voir où elle me mènera. Si la même flamme te guide, nos chemins se croiseront de nouveau à la fin de tout ceci. Cet homme, est-ce que c'était... Ok. Ok, nice. Ok. Rends-toi immédiatement au désert des termites. Ok. Merci. Salut. Okay.
Ouais. Put the most fine. Content de te voir. Bonne chance. Okay. Je pense que dans la prochaine vidéo, on fera la quête de capture. Ça, on verra au moins comment les captures se passent. Hein. Juste un petit peu le tour histoire de faire bien cette vidéo. Il y avait un endroit que j'ai pas encore visité, on va voir ce que ça donne. Bon, déjà on va prendre. On va prendre le plat du jour. Le grand... Qu'est-ce que le grand pont? Voyons ça. C'est cette zone que je voulais voir. Apparemment c'est le petit joueur mais je veux voir en quoi. C'est le bazar. Ça c'est le coffre. Voilà la viande. Hmm.
nous avons une quête spéciale aujourd'hui. D'accord. Salut. Ok. Ça, c'est la chambre. Bon, bien. C'est pas un bras de fer. On va juste faire une quête d'un... On va voir la quête d'un rien, ce que ça donne. Attends, une deuxième personne pour faire. On aurait peut-être dû mettre la forge aussi, hein. C'était pas mal. On y va. On va se le faire. Hein? Ouais. N'importe quoi. Ah, puis c'est pas possible, je fais vraiment n'importe quoi. On est descend. Déjà en 2 minutes, c'est mort. Non mais ouais, je suis méga lourd en fait.
Bah ouais, je suis quand même. Quittez la quête, allez, abandonnez. J'aime pas ce stuff. Bon, je le ferai hors vidéo, ça c'est pas grave. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, surtout vous abonner à la chaîne. C'était tellement j'ai du mal à acheter. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Une petite vidéo.